j'ai la tête qui va éclater. J'ai pas besoin de bander ni d'une petite gonzesse. Ah, tu te fais vieux, Bernie. Eh non, c'est le monde qui est vieux. Putain de soirée. J'en ai marre de ces conneries. Débarrasse-toi de ce joint, Fitz. Walter, c'est de moi remettre ça en place. Allez, viens. D'accord. Allez. Je croyais qu'on devait se passer une bonne petite soirée. Oui, en effet. Mmh. Mais demain, c'est... c'est lundi et... il y en a qui travaillent. Je préviens Moreau, hein. Je suis encore quelques minutes, va. Ce mec est merveilleux. Ce mec est pervers. Qu'est-ce qu'ils font, on les entend plus? Ça va, cow-boy? La partie est finie. Allons, allons. Allez, chérie, réveille-toi. Réponds, 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 chérie, réponds. Bah, allez, la puce, réveille-toi. Mais ça suffit maintenant. Allez. Harry. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien, moi. Je peux pas la réveiller. Allez, vite! Wendy? Mais regarde, son cœur ne va presque plus. Allez, viens nous aider, Walters. Harry, combien est-ce qu'elle en a pris? Mais j'en sais rien, elle en a pris tout le temps. Vite, oh, emmène-le. Il faut un médecin. Il faut appeler un médecin. Oh. À la ferme. Hein? Laisse-nous faire, t'entends? Elle est en train de crever. Tout ça suffit, ça va aller, laisse-nous faire. Je vais chercher un médecin. Oh. Oh. Bernie? Alors? Harry! Harry! Va la chercher. Vite! Y a rien à faire, c'est foutu. Mais essaye encore, Walters. Il faut la sauver. Allez, suivons-la. Elle était déjà morte. Ouais. Faut trouver Bernie. Hé, hey Bernie, mine-toi, je me les gèle. Il y a une veste derrière, prends-la. Je l'ai promis. Tiens, ça va l'étrir.
faire? J'en sais rien du tout. Regarde! T'es con, Bernie, c'est nous. Vous deviez rester avec la môme. Elle est morte, j'ai rien pu faire. Alors? Blessure interne, fracture. Ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Il est trop tard. Elle est encore vivante. Je suis sûr qu'il y a encore une chance de la sauver. Je vous dis qu'il est trop tard. On ne peut pas la laisser mourir. Wendy était sa sœur, tu vois. Elle avait 17 ans. Une gosse. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Non! Ta gueule! Du calme! Ta gueule, t'as compris? Tais-toi. Chut! Tais-toi. Chut! Je suis pas d'accord. Pauvre mec. Finir ta vie en tôle. Je verrai ça. C'est super. Oui, le premier choix. Quand t'auras une minute, tu peux y jeter un coup d'œil? Écoute, je n'enseigne pas le journalisme. Il n'y a personne d'autre en qui j'ai confiance. Je suis occupé, vieux. Ça se voit, non? Mais l'autre jour, tu disais quand tu veux. Ouais, c'est une habitude dont je devrais me débarrasser. D'accord, c'est quoi? Sur mon ordinateur. Ah, non. Alors, pas de machine. Imprime-le-moi. Parce que moi, je veux lire sur du papier, et pas sur un écran de télé. D'accord. Hé, hey, Colly, ça va? Colly, je te parle. Oui, je sais. Bonjour. Je me demande si j'ai bien fait de la laisser tomber. Oui? Oh, bien sûr. J'ai failli vous faire appeler par un haut-parleur. Vous ne répondez jamais au téléphone, ça vous ennuie? Je déteste le téléphone. Le porte-voix, il faut voir. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fou est de retour parmi nous. On a trouvé la 9e victime ce matin. Ici? Je viens d'avoir Chicago. Ils m'ont juré qu'il y était encore vendredi pour la 8e victime. Eh bien, elle est venue chez nous pour le week-end. Allons, ça n'est pas son style. Il n'en tuerait pas deux en trois jours. Vous avez le temps d'y jeter un coup d'œil? Non.
Oh, je peux rien vous dire. Et le corps? On l'a acheté d'une voiture. Hey, Mondo! Attendez-moi une minute. Mec, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Ouais, Ingarnet est persuadé que le dingue des galeries a encore frappé. Ouais, ouais, on n'était pas de cet avis. J'en sais rien, il y a des similitudes. Tu comprends? Hé, hey, Bernie! Ça va? Taisons-nous, voilà la chronique. Alors, quoi de neuf, vieux? C'est pas bon à être une jeune fille et avoir envie de faire des courses. Ben, il s'arrête plus, le barjot. Mais tu vas gagner du temps, c'est la copie conforme des autres cas. Des traces dedans? Je dis que tout y est. Sous-vêtements? Envolé, la fille, une gosse blonde de 17-18 ans. Il lui a enlevé sa chaussure gauche. Comme toujours. Moreau! On n'a plus rien à faire ici. Salut, Harry. Comment ça va, Renton? Ça va. Bon, vous finissez ça, il faut que je parte. On s'en occupe, Bernie. Hé, hey. Ouais. Essaie de rester à jeun jusqu'à ce soir. Je ferai de mon mieux. Ah, Walters. Dis donc, tu t'es occupé de ta femme hier soir. Quoi? T'as la gueule d'un zombie. Tu parles. Je m'en suis fait une demi-douzaine. J'ai Superman pour partenaire. On décolle. À plus tard. Bon, j'ai un coup de fil à passer. Salut, mec. Salut, Coco. Hé, hey, Pinelli. Pinelli. Allez, laisse-moi jeter un coup d'œil. Ah, c'est trop tard. Bon, laisse-moi assister à l'autopsie. Je te paye à bouffer. Écoute, Jerry, j'en ai plein le cul aujourd'hui. Allons, sois pas dégueulasse, on se connaît depuis longtemps, voyons. Laisse tomber. Allez, fais ça pour moi. Ce sont les mêmes? Pas exactement. L'espace est plus large de 2 mm entre chaque dent. Il a peut-être vu un dentiste? Et la blessure à la poitrine? On ne saura rien avant l'autopsie. Il lui a peut-être cassé des côtes. Cassé des côtes? C'est pas son style. Comment il aurait fait? Ben, il y a différentes options. Il est peut-être balèze. Et puis en se couchant dessus. Ah, c'est étonnant, cette marque-là, au milieu des deux seins. Tu ne trouves pas? Il a peut-être essayé de la ranimer. Ouais, j'y ai pensé. Il se pourrait que quelqu'un l'ait fait trop fort. Elle a été étouffée comme les autres? Ah, on n'en sait encore rien. Non. C'est étrange. Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je connais ce type, j'ai vu toutes ses victimes, interviewé la famille, tous les témoins, tous les flics d'ici et de Chicago. Je peux t'assurer que ça n'est pas le dingue qui l'a tué. C'est quelqu'un d'autre. Salut, Pete. Walters et Moreau sont là? Ils sont sortis. Oh. Si on vivait ensemble, on se verrait moins. Ah, ça manquerait. Alors, tu vas bien? Oui, et toi? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis venu voir Walters et Moreau à propos de la fille de ce matin. Je crois que vous avez affaire à un imitateur. Tu crois? Un imitateur? Oh, c'est idiot. Bernie, t'emballe pas. Qu'est-ce qui te fait croire ça? D'abord, ce type agit tous les 15 jours. Les jeudis ou les mardis, alors? Tu te souviens du tueur de la 5e? Oui. Il égorgeait les gens le samedi soir. D'un seul coup, c'est passé au jeudi. On l'a eu, on lui a demandé pourquoi. Il a dit... Ils ont changé mon jour de repos. Bernie, il lui a cassé des côtes. Et alors, tu veux mon opinion? Bon, d'accord. Il tente d'étouffer sa victime. Elle se défend, il la pousse avec violence,
Il lui casse une côte. Possible. Je crois plutôt qu'on a essayé de la ramener à la vie. Bernie, tu vérifies ça? Oui, patron. Bien sûr. Tu me suis? Gérald, on a affaire à un psychopathe. Alors, on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. C'est nous qui devenons fous avec ce genre d'affaires. Enfin, merci, Gérald. Mais Bernie et ses gars s'occupent de ça. À bientôt, j'espère. Ouais. Mais écoute, viens nous voir si tu as du nouveau. Je leur ai dit qu'il s'agissait sûrement d'un imitateur. Et je leur ai dit aussi qu'on avait dû essayer de la réanimer. C'est comme ça qu'on lui a cassé des côtes, sûrement. Et ils ne m'écoutent pas. Ils ne veulent pas démordre de leur théorie. Ok. C'est-à-dire qu'ils sont complètement stupides. Non, c'est un peu, je m'en fous. Alors ils ont un petit écoprime au dingue de la galerie. Et à propos du fétichisme, sa chaussure gauche lui manquait. Ah, et personne en dehors de nous ou des flics n'est au courant de ça. Ah, attention, hein, il y a toujours des fuites dans le service. Et en plus, nos femmes et nos maîtresses, ils sont pour quelque chose. Et les reporters. Le tueur, qui joue au tueur fou, ne peut pas être au courant de ces détails. Vous tenez sûrement quelque chose. Je veux que vous vous occupiez à fond de cette affaire. Ouais, d'accord, je vais mettre de côté l'affaire du tueur. Écoutez, de toute façon, vous allez y travailler à plusieurs, ça vaut le coup. D'accord, je vais prendre Mondo avec moi, il sera fou de joie. Je veux que vous vous occupiez de cette affaire à fond. Prenez-en encore deux. Non, ils vont plus m'encombrer qu'autre chose. Gérald, je vous l'ai déjà dit, on n'est pas au Vietnam, on ne peut pas agir seul. Vous devez vous intégrer à notre société. Mais je ne supporte pas le groupe. Eh bien, vous vous y ferez. Ouais. Allez, choisissez. Va pour Scott Dennis. Très bien, il est intelligent, ambitieux et... Et il m'admire. Il a donc du goût. J'ai un autre élément qui a du talent et qui serait parfait pour vous. Mais oui, je le connais. Elle, Colleen Sherwood. Oh. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose contre les femmes? Moi? J'ai épousé deux fois les femmes avec qui je travaillais. Deux. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Tu travailles ce soir? Je sais pas. Et toi? Francie a dit qu'elle viendrait prendre la relève vers 10h. Alors je ne vais pas travailler ce soir. Est-ce que tu as déjà lu ce que j'écris? Oh oui. C'était lisible. Ouais. Alors qu'est-ce que tu n'aimes pas en moi? Mes cheveux? Ou mon parfum, ou peut-être la manière dont je me fringue, ou le fait que je sois une femme. Écoute, je ne sais pas comment tu alors as appris. Alors, il paraît qu'on travaille ensemble. Eh bien, maintenant, je sais. Je suis très content de travailler avec toi. Je comprends que tu apprécies. Les mecs, on va boire à la santé de notre nouvelle équipe. C'est ma tournée, Eve. Excellente idée. Je prendrai bien un daiquiri. Et toi? Écoute-moi bien, Remson. Je veux travailler avec toi, faire partie de ton équipe. Écoute... Téléphone pour toi, Jerry. Merci, excuse-moi. Remson? J'arrive tout de suite. J'ai pas le droit de te dire tout ça, mais tu sais très bien que tu peux me faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Mario. Morte étouffée. L'œsophage a été écrasé, mais on voit les traces d'hémorragie dans les yeux en général. Et alors là, il n'y avait rien. On lui a écrasé l'œsophage après l'avoir tué. Autre chose. J'ai fait l'analyse du nez. Et elle montre que la fille se droguait. Je me suis renseigné auprès du toxicologue. Une overdose? Une autre ne se droguait. Je comprends pas. La gamine est morte d'overdose, quelqu'un a tenté de la réanimer, puis a maquillé ça comme si ça venait du dingue. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont au courant de certaines informations. Qu'est-ce que tu dis? Mario, je suis sûr que ça vient de quelqu'un d'ici.
quelqu'un de difficile à toucher, un député, un flic, un mec d'en haut, mais de très haut. Merci les mecs. Mettez-vous à l'aise. Si tu insistes. Mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? J'attends toujours une réponse. Je te passe ton pantalon? Non, c'est pas la peine. Va dans le salon. Je ne m'en irai que quand tu m'auras dit oui ou non. On va en discuter, mais pas ici. Je te rends nerveux? Quand une femme débarque dans ma salle de bain, ça me rend nerveux. Alors va faire du café. Moi? Faire du café? Dieu et son âme. On avait rendez-vous à 9h, pas à 9h moins le quart. Je sais. Je voulais te parler en tête à tête. La porte était ouverte, j'ai vu de la lumière, alors je suis entrée pour causer. Une autre morte. C'était un feu chien. Le chat aussi a subi le même sort. Ouais. Bon, ah, j'ai plus de filtre. Ah, écoute, à propos de l'équipe, je n'ai rien contre toi en particulier, mais... tu peux devenir un élément perturbateur. Où est-ce que tu veux en venir, Remsen? D'accord. Tu es trop jolie. Alors il est impossible que je sois intelligente et belle à la fois. Non, ça n'a rien à voir. Excuse-moi. J'ai cru comprendre qu'entre toi et Scott, il y avait eu une petite... Con, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous avons dîné deux ou trois fois ensemble et... J'ai pas à t'expliquer ma vie privée, non mais... On est en avance? Le café va être prêt, asseyez-vous. Thierry, j'ai rincé trois tasses à café, il y en a d'autres quelque part? Une nouvelle associée? Tu t'es inséré dans le groupe pendant la nuit? Ça suffit, Scott, si vous n'arrivez pas à vous entendre, je vous vire. Bon, allez, au boulot. Ils ont identifié la fille grâce à la photo. Quand? Il y a une heure, sa mère l'a reconnue à la télé. La gosse s'appelle Wendy Alverson, elle avait 17 ans. Toi, tu vas à Plan de Serville et tu interroges sa sœur, elle s'appelle Jill, 24 ans. Elle était censée être avec Wendy. Pourquoi n'a-t-elle pas déclaré la disparition? Bon, il faut que tu saches depuis combien de temps elles habitaient là-bas. Leurs habitudes, leurs copains, il faut tout savoir. Et moi? Toi, enquête sur les flics. J'ai des soupçons. J'ai fait ça hier soir, fais des photocopies. Et moi? Une minute. Des questions? Tout est clair. Alors, allez-y. Et vous bourrez pas la gueule avant ce soir? Tu vois, je déteste les équipes, mais si je dois en avoir une, j'aurai la meilleure. Et tu es contente que je joue un tour à Scott en entrant dans mon équipe? Tu es intelligente, ambitieuse, alors quoi qu'il se soit passé avec Scott, je ne veux rien savoir. Une précision. Laquelle? Scott n'est qu'un petit con. Fais comme si de rien n'était. Tu vas aller au bureau, jeter un petit coup d'œil sur les meurtres du dingue et vois en quoi il diffère de celui-ci. Je t'apporterai d'autres précisions plus tard pour t'aider. Tu sais, Remsen, au début, je ne te supportais pas. Maintenant, je t'aime bien. Toutes les mêmes. Alors, j'ai vu deux hommes. Ils ont jeté quelque chose avant de s'enfuir. Je voulais pas de problème, alors je suis partie. Ils étaient grands ou petits? Oh, l'un était de votre taille et l'autre... comme vous. Ah oui. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-là? J'allais faire des cours. Tu sais comme moi que le seul magasin ouvert à cette heure vend de l'alcool. Tu conduisais en état d'ivresse, non?
Non. Pas d'un roman? Peut-être une bière ou deux. Oui, c'est ça. Tu as déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse? Moi, non, juré. On peut voir ton permis de conduire? Écoutez, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille travailler. Je peux te poursuivre pour conduite en état d'ivresse et tu vas avoir des ennuis. Mais si tu veux qu'on te laisse tranquille, fais ce qu'on te dit. Salut Bernie. Ça va, Scott? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? J'ai entendu dire que tu avais un témoin oculaire. Un témoin? Là, tu parles, elle était complètement bourrée. Et en plus, elle était beaucoup trop loin. Ah bon? C'est le témoin 10022, je crois. Le 23. Vous allez tous les passer au point de fin? Des témoins aussi bidons que celui-ci, c'est à peu près la moitié de ce que je vois. Fitz? Est-ce que ce n'est pas Fitz? Alors, c'est les mecs de l'administration qui s'occupent de l'autre moitié. Eh ben, ils ont la manie de se prendre pour de vrais flics. À bientôt. Salut. Salut. Oh, allez, t'es pas un vrai reporter? Si. Ah, t'es pas assez vieux. Est-ce que je vous dis que j'en suis un? Bon, maintenant, on va juste prendre quelques photos. Allez, venez vous asseoir. Et comment ça va? C'est vous qui vous occupez de cette affaire? Mondo Harris de la chronique, vous vous souvenez ouais. de moi? Bah, il faut que j'y aille. Y a rien de nouveau? Non, hein? Pas vraiment. Bah, attendez une minute, je voudrais vous poser une ou deux questions. Bah, vous voyez bien que j'ai pas le temps. Pensez-vous que Wendy était avec Jill quand elle a été tuée? Pensez-vous que Wendy et Jill étaient ensemble quand Wendy a été assassinée? Oh non, madame, je sais au fond de mon cœur que Jill est toujours en vie, j'en suis sûre. Wendy et elle étaient toujours ensemble, mais je suis sûre que Jill est toujours vivante et qu'elle va me téléphoner pour me rassurer. Et je suis sûre qu'elle va arriver, tout étonnée et souriante. Je sais, je le sens dans mon cœur. Nous sommes en présence d'une maman qui garde encore l'espoir de revoir sa deuxième fille en vie, alors que le tueur fou des galeries a déjà massacré 9 jeunes filles et jeunes femmes de Californie jusqu'à New York. C'était Debbie Jack de KMZR. À vous les studios. Jeff? Ça va, ça s'est très bien passé. Merci, j'étais bien. Oh oui, très très bien, je vous laisse. Des filles vraiment superbes. Oh mon Dieu! C'est ma fille, elle est mannequin, mais Wendy était encore plus jolie. Ça vous gêne si je mets ces photos dans mon journal et que je fais un papier dessus? Vous êtes reporter? Mm-hmm. De la chronique. Oh! Ok, oui. Vous avez dit que Gilles téléphonait de temps en temps. Vous avez un numéro ou une adresse? Oh, je crois que oui. Oui, j'ai quelque chose. Vous attendez, je vais le chercher. Où est-ce que j'ai mis cette carte? C'est celle-ci, tu crois? Oui, c'est ça. Elle a laissé ce numéro en cas d'urgence. Oh, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'y est jamais. Bloody Mary et un vermouth. Fitz, je t'ai vu là-bas.
un mec de l'administration se trouvait à l'endroit où l'on interrogeait le témoin. J'en sais rien, je faisais que passer. Là-bas, tu déconnes. Tu n'avais aucune raison de te trouver à cet endroit. Non, c'est pas ça. Tu laisserais un bureau avec l'air conditionné et un boulot peinard pour aller sur le terrain fatigué sous la chaleur? C'est pas tes affaires, merde! Faites attention au poivreau! Ta gueule, connard! Hey, calme-toi, mec! Mais foutez-moi la paix! Un autre, s'il vous plaît. Ouais, on s'en va, on a changé d'avis. C'est un peu trop bruyant ce soir. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire plusieurs? Tu devais avoir les résultats du labo maintenant. Non, rien de nouveau. Marion! Une fille est morte et sa sœur l'est peut-être aussi. Deux gamines innocentes et tout le monde s'en fout. Alors ne me laisse pas tout seul pour dépatouiller ça. Marion. Jerry, j'arrête tout. Je ne peux plus. Mais les résultats confirment la thèse de l'imitateur, c'est ça? Oh, qui t'a dit de la fermer? Dis-le, allez, dis-le-moi. Mario, parle, je t'en supplie. Mario! Jerry, il faut que j'y aille, je sais. Mario, dis-le-moi! Tu m'as pas téléphoné pour me dire où tu étais. Oui, j'aurais peut-être dû, mais il n'y a rien de neuf. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Je surveille tout le monde, comme prévu. Fitz me paraît un peu trop nerveux. Qu'est-ce que t'en dis? Ça fait longtemps qu'il se prépare? À peu près une heure. Ben allons-y, avant qu'il se fasse la malle. Hey, Fitz, tu pars en vacances? Oui, j'ai pris quelques semaines. Il y en a qui ont de la chance. Et je crois que je vais aller vers le sud, trouver une petite plage sympa quelque part. Eh oui, nous on peut pas avec cette histoire de la petite Wendy Alverson. Ah oui, l'histoire de la fille. Ouais. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. Vaguement entendu parler? Écoute, il faut que je finisse de mettre les valises à l'intérieur du camion, sinon Alice... Moi, tu ne sais rien à propos du meurtre de cette gamine, allons. Il y a toujours 50 000 rapports qui te passent entre les mains. Je suis persuadé que tu sais parfaitement que le tueur fou n'a rien à voir... Ah, bonjour, Madame Pitt. Bonjour. Je te jure que je ne sais rien sur ce meurtre. Je disais tout à l'heure à Scott que j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un imitateur. Tu ne crois pas que j'ai raison? Je crois que Wendy était la maîtresse d'un poulet, ou peut-être d'un député. Et il est marié, comme toi, quoi. Et il passe des soirées très cool. Elle a eu une overdose. Merde, mais c'est ça. Il essaie de la réanimer, rien n'y fait. Alors il se retrouve en face d'un décès accidentel. Que faire? Or, dans la région, sévit un tueur fou. Il peut faire passer son accident sur ce tueur. Alors, il s'arrange avec des collègues afin de maquiller le corps. Il s'en débarrasse et se fait oublier quelque temps. C'est ce que je crois. Et toi, Fitz? Willy, dépêche-toi un peu. Hanson, j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Hé, Fitz, je vais la voir, tu sais. Il s'en tirera pas comme ça. J'ai absolument rien dit, mais il sait tout. Oh, je sais pas comment, mais il sait tout. Il ne sait rien, Willy. Il est reporter depuis très longtemps, tu saisis?
Il peut être très convaincant s'il veut. Willy, s'il savait quelque chose, ce serait en première page du journal. Est-ce que tu as vu un quelconque papier sur le meurtre de la fille? Hein? Allez, pars en vacances, là. Détends-toi avec Alice. Et quand tu seras de retour, tout sera fini. Ouais. Oui, Fitz, tu peux compter sur nous. Alors, t'es rassuré? Et calme-toi un peu. Entre. J'ai une adresse, une fille très proche de Jill et qui sait peut-être où elle est. Allez, tiens, vite, mets ta veste et... Oh, je... Oh, bon, je suis désolée, je croyais... Oh, non, non, c'est rien, Collie Sherwood, Julie Dolan. Salut. Mais non, mais non, qu'est-ce que tu as trouvé? Ah, non, 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 ça va. Tu es sûr? Oui, oui. Sinon, je peux... Non, non, je me débrouille. Ah, Collie, ne fais rien toute seule. Attends mon dos, il pourra t'aider. Excusez-moi. Bonne soirée. Ne va nulle part toute seule. Oh, bien roulé. Ouais. Oh, Willy, viens m'aider. Willy! Chérie! Willy? Mario? Ça pue l'alcool. Pas besoin de test sanguin pour savoir ce qui s'est passé. Ah oui. Sur une route droite et complètement déserte. Est-ce que tu te moques de moi? Il devait partir en vacances avec sa femme. Il était tout seul. Pas de témoin. Témoin, c'est bizarre. Hein, Mario? Je vous prie d'accepter mes condoléances.
un type bien et... Madame Fitz, sa mort est une grande injustice. Je sais que vous vivez des moments très difficiles, mais il faut que je vous parle. Vous aviez parlé avec lui? Vous l'aviez complètement angoissé. Je suis désolé, je cherche la vérité. Gérald, je t'en prie. Oui. Madame Fitz, si je découvre quoi que ce soit... Sortez d'ici! Si vous savez... Michel Corp! Bets, il faut que je te parle. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Gérald? Allez, tiens, une autre fois! Non, maintenant. C'est très important. Pas maintenant, il faut que je te vois seul, Bets. Il faut que je te parle. Tu n'as qu'à prendre rendez-vous. Je pense que nous devrions étudier de plus près la mort de Fitz. Vous ne croyez pas? Nous n'avons que des soupçons. Pas une seule preuve solide. On ne va pas en rester là. Vous allez faire un topo sur le meurtre de la fille, puis on va étudier les deux affaires parallèlement, celle de Fitz et celle de la fille. Vous savez que si nous avons vraiment raison, nous avançons sur un terrain miné. Eh bien, soyez prudent, Hanson. Je vais en parler avec Winfield. Tiens, les avocats travaillent le dimanche? Les nôtres, oui, quand on le leur demande. On n'a aucun lien entre la mort de Fitz et le meurtre? Malheureusement. On est sûr que les flics sont impliqués? Qui est sûr? Toi? Mais pour qui te prends-tu? Tu n'es pas un juge, tu n'es qu'un journaliste. Eh, je n'ai formulé aucune accusation. Hein. Oui, mais seulement voilà, tu n'as pas les moyens. Les moyens de formuler quelque accusation que ce soit. On est sûr ou on ne l'est pas. Tu n'as pas appris ça à l'école de journalisme? Vous êtes tous les mêmes, les nouveaux journalistes à scandale. Mais sachez que la première des choses à apprendre est de savoir attendre des preuves. Bon, voilà ce que nous allons faire. Scott, le détective Walters me préoccupe. C'est étrange, cette façon de se comporter quand on veut lui poser une question. Il s'est défilé bêtement quand Mondo a voulu lui parler. Tu vas le surveiller discrètement. D'accord, Scott? D'accord. Mondo, tu suis la piste de Colin. Va dans les montagnes, d'abord Green Hill, ensuite dans les alentours. Hé, c'est à moi? Non, non. Toi, tu vas aller chez la veuve Fitz. Tu vas m'excuser pour mon comportement et même me faire passer pour une ordure, si ça peut la faire parler. Elle doit savoir quelque chose. Allez, en route. C'est comme si c'était fait. Je voudrais te faire des excuses. Ah non, les excuses, c'est pour la veuve. Non. Je disais ça pour Julie. Pourquoi ces excuses? Bien. Je croyais qu'elle et toi... Vous... Nous l'avons été. Deux fois. Maintenant, nous sommes copains. Allez, copains. Avoir été mariés deux fois, ça crée des liens. Je sais tout ça. Tu étais marié 4 ans la première fois et 8 mois la seconde fois. Tu perds ton temps dans les dossiers. Si tu n'étais pas parti en courant, je te l'aurais dit. Et tu serais venu dîner avec nous. Ah oui? Es-tu libre ce soir? Eh bien, ce soir... Je ferai la cuisine. Bon, je t'attends à 8 heures. Dis-moi, évite les brocolis. D'accord. Je déteste les brocolis.
Entre, Remsen. Ouais. Oh, super. Eh oui, je ne suis pas que jolie, je suis très riche. Grâce à papa. Et que fait papa? Il dévalise des banques. Non, il en dirige quelques-unes, ça m'aide. J'ai une autre surprise. Je n'ai rien cuisiné. Tu peux peut-être me servir un verre? Bourbon ou Martini on the Rocks? Tu n'en parles jamais? De quoi? Et ta jambe? Elle te fait mal? Seulement quand je marche. Non, je suis sérieuse. Oh, elle me chatouille, ouais. Beyrouth. Colline, tes dossiers, tu devrais les oublier. Je suis curieuse. Quel mal y a-t-il à ça? J'étais avec un vieux copain cette nuit-là. Ouais. C'était un reporter très connu du Boston Times. Ouais. Et puis, il y a eu une bagarre. Ah, non. Il n'y a pas eu de bagarre. On avait pu obtenir un rendez-vous avec le colonel de la milice chrétienne, et à la place, on a trouvé un mortier. Des enfants de pute. Et tu as eu le Pulitzer? J'ai eu un prix, et lui, le cercueil. Magique. Scott dit partout qu'il aura le Pulitzer avant d'avoir 30 ans. Vraiment? Oui. Et il ne plaisante pas du tout. C'est triste. Et toi? Moi? Oh, moi, je sais attendre. Peut-être vers 32 ans. Oh, viens par là, on va traverser. Qu'est-ce qu'il y a? On sait rien, mais on a de la compagnie. C'est un voleur? Il y a un restaurant par là. Tu y vas et tu m'attends. Pas question. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Allez, cours! Ouvrez! C'est fermé! Attention, il est armé! Il voulait nous descendre. Je ne sais pas toi, mais moi sûrement. Apparemment, nous dérangeons quelqu'un. Oh, je n'arrive pas à croire qu'on puisse vouloir tuer des journalistes. Ah oui, pourquoi? Mais il faut le dire à quelqu'un. Ah oui, à qui? Aux flics? Colly, il va falloir faire très, très attention. Eh bien, à la nôtre. Ça va aller? Oui. Dame. Très excitant. Ouais, toujours, oui. Toujours. Eh bien... Salut, Brie. Bonne nuit. Rendu de ma rencontre avec Alice Fitz. Oui. Fitz était déprimé et buvait beaucoup depuis une certaine partie de pêche il y a une semaine.
Il ne dormait plus et avait des sautes d'humeur inhabituelles. Et il a même pleuré comme un enfant après ta visite. Ça confirme nos soupçons, non? Franck, où t'étais? J'ai laissé deux messages. Voilà, j'étais pris. Écoute, le capitaine Betts veut te voir dans son bureau. Il a lu l'article. Franck, une minute, je voulais te parler. Ah non, j'ai pas le temps. Avec qui il allait à la pêche, elle l'a dit? Il lui a rien dit. Des copains. Avec qui un flic va-t-il à la pêche? Avec d'autres flics. Et quand a eu lieu cette partie de pêche? L'avant-dernier week-end. Il est rentré chez lui très tard dans la nuit de dimanche à lundi. Il venait de la montagne. Le garagiste a reconnu la photo de la fille. Il dit qu'il y avait une autre fille qui dormait, mais il n'a pas vu son visage. Ça devait être Wendy. Quelle voiture? Il a dit ou une Buick 73 ou une Ford. En tout cas, une décapotable. Il y avait des problèmes de carburateur. Ah, c'est bien. Nous savons qu'ils étaient à Grenhill le dimanche. Et nous savons que Pitts était dans les environs ce même jour, c'est ça? Bon, toi, continue avec les stations-service. On va peut-être trouver quelque chose. Tu sais très bien ce que cela implique, Gérald. Tu mets le bordel partout, même chez les flics. T'es un démenti. Si tu penses répondre à nos questions, eh bien, fais-le tout de suite. Tu insinues que nous avons quelque chose à voir là-dedans? Bernie, sais-tu où étaient les filles le fameux week-end où on a trouvé le corps de Wendy? J'ai quelques idées, pourquoi? On sait que Jill était à Grenhill, seulement avec Wendy. Et nous savons que Fitz pêchait par là ce même week-end. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On a plein de gens sur l'affaire. C'est une de nos pistes. Non, non, ce n'est pas la question. Est-ce que nous savions que ces filles étaient dans les montagnes? Dans la montagne, pas exactement. Très bien, très bien. Je veux une équipe à Grenhill dans moins d'une heure. Prends un hélico, s'il le faut. Gérald, tu nous as prouvé ta valeur d'enquêteur. Maintenant, promets-nous que tu sauras te tenir tranquille. Comme si de rien n'était. Non, je ne ferai pas ça. On se connaît depuis longtemps. Et tu crois que je vais te laisser agir à ta guise? Non. Non. Mais je ne t'ai rien dit. J'ai l'hélico, je vais y aller moi-même. Bernie, j'ai toujours soutenu mes hommes à 100%, ça tu le sais bien. Je vais continuer à le faire. Mais avant... Je sais ce que tu crois. J'imagine. Tu sais, il y a énormément de monde sur ce genre d'affaires. Pas que nous. Il y a des journalistes. Des avocats, des paparazzis, n'importe qui aurait pu commettre ce meurtre. Oui, je sais, Bernie. Je crois me rappeler qu'il y a quelque temps, vous alliez à la pêche le week-end. Fitz et toi. Oui. Bien longtemps. Bernie, est-ce que tu pêchais avec lui dimanche dernier? Je n'étais pas avec lui. Je te le jure. Très bien. Je veux tous les chefs d'équipe dans mon bureau à midi précise. Et pendant ce temps, personne ne doit parler à la presse et surtout... Ramson? Oui. Tu connaissais Fitz mieux que n'importe qui. Tu dois savoir avec qui il est allé pêcher. Tu vois pas que je suis allé pour ma petite fille? C'est pour sa poupée. Réponds-moi. Ça ne te fait rien qu'il soit mort et que ce soit un ami qui l'ait tué? Je te jure, je ne sais rien. Ah, t'as pas entendu des rumeurs? Il doit bien y avoir des rumeurs qui traînent dans les parages. Je t'en prie, Hanson, laisse-moi tranquille. Je prends bientôt ma retraite. Et ça fait 30 ans que je les connais. Et des gens très bien, tous. Sauf celui qui a pêché avec Fitz et qui l'a fait taire ensuite. J'espère que tu auras une retraite paisible. Mmh.
est 2h du matin. Chantier de construction site. L'inspecteur Walters a quitté l'église Saint-Bernard. Il y a 30 minutes environ. Pour rejoindre deux autres inspecteurs, Bernie Hodges et Harry Morrow. La tension monte. Occupez-vous de ça le plus vite possible. Merci. Je t'ai téléphoné la nuit dernière. Ouais, je travaillais tard. Et une certaine serveuse? Ou peut-être une stripteaseuse, ce coup-ci? Oh, pourquoi pas? Elle se marre tout le temps, elle. Et elle se plaigne jamais. Tu peux plus t'attacher à une femme, c'est ça? Tu t'es fait avoir une fois, Renson. Ah non! Deux. Plus ton vieux pote de Beyrouth. Et c'est pour ça, hein, tu ne dois plus mais t'investir. Mais de quoi tu vas, Renson? Non, original la veste. Pour l'unité de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais, la documentation? J'attends mes photos de Fitz et celles de Walters. Mondo vient de téléphoner de Granil. Il a trouvé un brave mec qui a vu deux filles dimanche dans une décapotable qui était avec quatre hommes qui s'étaient arrêtés pour les aider. Quatre? Le mec a identifié Wendy et Jill d'après une photo. Pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt? Mais il travaille au noir. Il n'a pas d'affinité avec les flics. Et en ce qui concerne les hommes, est-ce qu'il en a décrit? Il a dit que l'un d'eux avait des airs de Fitz et un autre ressemblait à Walters. Mais il n'y a rien de sûr. Walters, ça va de soi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu cherches un coupable. Alors, si je te disais que j'ai vu un homme hier qui a passé une heure à prier et une heure à se confesser. Ben, plein de flics font ça. Où est-il? Dans le bureau du capitaine Bates. Ils font une grande conférence. J'ai pas pu entrer. Installe-toi devant la porte, tu vas prendre Collie avec toi. Quand tu ne suivras pas Walter, ça ne le suivra. Merci. Mais attends une minute, Nelson. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis avec Mondo à Green Hill. Faites bien attention. Je t'assure que je n'ai pas besoin d'elle. Scott, je l'ai déjà dit à Collie, alors je te le dis. Vous allez travailler tous les deux si vous voulez rester avec moi. C'est toi le patron. Tu veux ça, tu l'auras. Tu ferais bien de venir. Hein. Reste à jeun jusqu'à ce soir. Ça va. Bon, il croit les avoir vus tous les deux. Il croit? Demande-lui où ils sont allés après avoir aidé les filles. Hey, amigo, perdón de se fuera. Il dit ouais, que... J'ai compris, je vois les gestes. Ils ont probablement loué une cabane dans le coin. J'ai déjà vu quelques agences immobilières de location, mais j'ai rien. On se partage la tâche. Il faut tout vérifier. Ok. Donne au gamin un petit quelque chose dont on aura encore besoin. On se retrouve à la boutique. Vamanos. Walters. Tu veux pas me foutre la paix, tu veux pas que je mange? Moi aussi, je mange. Quoi, des informations? Oh, arrête. Eh ben voilà, j'ai plus faim, tu me coupes l'appétit. Tu ne me tireras pas les vers du nez. Je ne te pose pas de questions. Je suis venu te donner des informations. Allez, assieds-toi une minute. Hein? On a un témoin oculaire à Green Hill. Il avait Fitz et trois autres mecs avec les filles ce jour-là. On a une équipe qui travaille dessus. Ils font des portraits robots. Des portraits de qui? De flics? On pense que ce sont des flics. Quels flics? Je ne le dirai même pas à ma mère. Tu te fous de ma gueule? Pas du tout, je croyais que tu voulais le savoir. Ne laissez plus de me rendre service. Hé, hey, Walter, gentil. Juste une question. Votre réunion, c'était pour quoi? Tu veux peut-être que je te dévoile toutes les réunions du commissariat? Non, pas celle de ce matin, celle que vous avez eue hier soir dans les chantiers avec Bernie Hodge et Harry Morrow. Tu sais ce que tu es?
monsieur Remson. Peu importe ce que vous cherchez, je ne peux vous autoriser à regarder ces dossiers. Ils sont confidentiels. Je comprends, madame. Troublode. Oui, madame Troublode, je ne suis pas intéressé par les aventures de certains patrons avec leurs secrétaires. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Ce que je veux, c'est trouver enfin la preuve qu'une jeune fille, et même peut-être deux, ont été assassinées dans les parages. Ça, c'est le problème de la police, pas des journalistes. Oui, c'est vrai. Eh bien, on pense, enfin, on est sûr, ou presque, madame Troublode, que les assassins font partie de la police. Oh mon Dieu. Alors, à votre avis, qui va faire la police de la police, si ce n'est les journalistes? Voici les registres les plus récents. Vous en voulez d'autres? Bah, dites-le. Merci. Le bide, t'as quelque chose? Non, rien. Hein? Hé, attends. Oh. Bernie Hodges. Je t'ai dit de me foutre la paix. J'ai essayé de t'aider. Fous le camp! Fitz est mort. Tu es peut-être le suivant sur leur liste. Ça va, je voulais pas te faire mal. Ah, ma jambe. Vous voulez taper la médecin? Non, c'est pas la peine, il n'y a rien de cassé. Laisse-moi me reposer, chérie. Ok, viens. Merci. Oh. Merci, mais il va bien, il va être très bien. Je devrais te faire un procès. Et pourquoi cette entrée de force? Sortie de force. Non, mais d'accord, assieds-toi. Oh. Tu veux boire quelque chose? Oui, ce que tu as. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Mais tu m'as poussé à bout, Scott. C'est pas moi qui t'ai rendu fou, Walters. C'est ta conscience. Je suis vraiment désolé pour toi. Tu t'es fourré dans un sale pétrin et tu t'enfonces. Nous savons ce qui s'est passé pendant ce week-end. Vous étiez quatre. Hodge, Moreau, ce pauvre Fitz, et toi. Qui a essayé de réanimer la fille? Toi? C'est assez ton genre. Parce que nous savons, toi et moi, que tu n'as rien à tuer. Mais le massage cardiaque n'a pas marché. La petite Wendy est morte. Elle avait à peine 17 ans. Et Jill, comment est-elle morte? Où avez-vous mis le corps? C'était un accident. Je te jure, c'était un accident. Ben, ils se sont donné du mal pour nettoyer, hein? Tu oublies que ce sont des flics. Bon, j'ai fait un tour dehors. Ok, je continue de regarder par ici.
Anderson! Superbe. Il se croirait à la maternelle. Encore heureux que je sais taper. Oh, dis donc, j'ai mal au doigt, moi aussi. Oh. Je te croyais mort. Eh oui, ils ont mis le paquet. Hein. Mm-hmm. Mondo m'a raconté la confession de Walters. C'est génial. Allons-nous-en. Alors, où en est-on? On a le feu vert de Gurney. Quoi? Oui, on a son autorisation. Quoi? Enfin, il ne peut pas, Cody. Si. Ben, on ne peut rien faire. On n'a pas encore assez de choses. On ne doit pas bouger. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux pas me croire. Oui. Ben, dis toujours. Oh, c'est trop bête. C'est trop tard. Ouais. C'est déjà dans les kiosques. Scott a écrit un article. C'était un trop gros coup, Gérald. Winfield était d'accord, on ne pouvait pas attendre. Mais enfin, c'est trop tôt. On n'avait rien de précis, on devait finir l'enquête. Enfin, vous savez bien que rien ne paraît sans que vous ne le lisiez avant. Mais comment ça va? C'est foutu. Il a mis tous les flics dans le coup, même le chef de division Bates. C'est du suicide. Scott avait tout ce qu'il fallait. C'est notre personnel et une cassette. Tout ça. Bête, c'est les autres. Il faut que j'écoute ça. C'est le bourbon et la bière? Oui, c'est ça. Merci. C'était juste une question de travail et de patience. Hanson, ça va mieux? Salut. Salut, Scotty. Salut. Bonne nuit. Oui, vas-y, c'est ta préférée. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Je voulais le faire, mais tout est allé si vite. Oui, trop vite. Tout allait exploser. Je voulais attendre, mais je ne savais pas où tu étais avant que Mondo ne me dise que tu étais à l'hôpital. Alors tu t'es dit, il va mourir de toute façon. Non, on ne savait pas. Tu as attendu, toi? Réponds. Tu sais ce prix que j'ai gagné en 1968? J'étais sur une affaire qui n'avançait pas depuis un sacré bout de temps. C'était très étrange. Alors j'ai fait ma petite enquête tout seul. Et j'ai découvert que l'armée couvrait, faisait l'embargo sur toute l'affaire. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre, je révèle tout, tout de suite. Et ce fut un véritable scandale. Ah, je serais malvenu d'en vouloir à un journaliste qui, sachant qu'il a en main les preuves nécessaires, fonce, écrit son article. Non, non, tu as bien fait. Un vrai scandale assuré. Merci. Oh, j'en crois pas mes oreilles, là.
Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tes méthodes, mais si tes sources étaient sûres, alors... C'est exactement ce que je me suis dit. Et avec Walters, tu t'y es pris comment? J'en sais rien, j'ai eu de la chance. Le bol et le charme. Où est-il? Je l'ai fait mettre en lieu sûr. Ne t'inquiète surtout pas. Oh, je te fais confiance. Mais je voudrais écouter ta bande et je veux voir Walters moi-même. Bien sûr, si tu veux, je te la donne immédiatement. Oh, il est 1h du matin. Ah, il est si tard. Écoute, j'ai passé une dure journée, je suis naze. Ça peut attendre. Ouais, demain matin, mais tôt. Tu l'auras. T'as l'air fatigué, toi. Il faut mieux te dormir. Ne dis rien. Oh, je n'ai aucune rancune. Il a fait du très bon boulot. Tu veux savoir pourquoi il a fait du si bon boulot? Parce que tu l'as aidé, tout comme l'a fait Mondo. Toi, tu as interrogé la veuve Fitz, et puis tu as découvert la fameuse piste des montagnes. Ne te moque pas de moi. Tais-toi. Ce sont les faits. Tout ce qu'il a pu trouver, c'est grâce à vous deux. Tu peux être fier. Merci beaucoup. Mais de rien. Allez, je vais t'accompagner. Non, j'irai seule. Ok, je m'en occupe. D'accord. Fermez bien vos portes à clé. Où est-ce que tu vas? Au lit. Tout seul. Pauvre mec. L'histoire de Scott se vérifie. Ils viennent de sortir la voiture du lac et la fille est à l'intérieur. Ils n'ont pas mis longtemps. Ils sont venus très tôt, dès que l'article est paru. Quoi d'autre? Deux nouveaux témoins qui ont vu les quatre flics et les filles dans le coin. Ils ont attrapé Hodges et Moreau? Pas que je sache. Mondo, tu dois me rendre compte de tout ce qui se passe. Alors mets ton nez partout. Ok, chef. Non, c'est sûr. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas téléphoné? J'en sais rien, mais on est la même trempe. Les articles passent en premier. Je veux la cassette, tu entends? Oui, je t'ai dit hier soir, elle est dans mon coffre à la banque. Je l'ai mise en sécurité. Va la chercher. Les banques n'ouvrent que dans 1 heure. D'accord. Où est Walters? Je te l'ai dit, caché. Où est-il? Je ne peux rien te dire. C'est quoi? Je ne peux rien te dire. Je veux Walters et je le veux tout de suite. Ou tu me dis où il se trouve, ou tu m'emmènes avec toi. Non, il n'en est pas question. Il est à moi. C'est mon témoin. Alors pourquoi est-ce que je dois te le montrer? C'est mon affaire et je la laisserai pas tomber. Ni pour toi, ni pour elle, ni pour qui que ce soit dans ce putain de journal. Écoute, Colleen. Non, je sais ce que tu vas me dire. C'est inutile. Si, je dois le dire. Je reconnais que tu avais raison et j'avais tort. Hey, ce type est un égocentrique, un con. Et moi, je dois te dire que, contrairement à tes ordres, je suis allée chez Walter ce matin. Un voisin, M. Cochrane, a dit que Walters et Scott ont eu hier une altercation difficile. Il lui a presque cassé la jambe. Mais quand ils sont partis tous les deux, ils allaient très bien et Walters avait une valise à la main. Voilà. Et il t'a dit où ils allaient? Mais je pense que tu sais où les trouver. Allez, viens, tu me seras utile. Oh, je ne veux manquer ça pour rien au monde.
persuadé de nous avoir semés. Ne le lâche pas. On reste en contact. À vos ordres, chef. Bientôt arrivé, je te préviens. Parlez au patron. Toi, jette un œil. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Walters n'est pas là? Non. Scott est venu hier avec un type qui devait être Walters. Et tout de suite après, il s'est tiré. Qui est là? Walter. Où étais-tu? Non, attends, attendez une minute, vous pouvez pas entrer. Suite de la confession de Walters? Oui. Quand est-ce qu'il te l'a donné? Il s'est tiré hier. Il a dû paniquer, mais j'ai tout. Hé, hey, c'est à moi, ça. C'est la cassette qui était censée être à la banque? Allez, parle. Qui était là? Non, je ne dirai rien, sinon ils me tueront. Ils le feront de toute façon. Tu ne diras rien de moi, je me casse. Allez, calme-toi. Je vais te mettre en lieu sûr. Dix-sept ans à peine. Et Jill? Comment est-elle morte? Où avez-vous mis le corps? C'était un accident. Je te jure, c'était un accident. J'ai essayé de la sauver. Je te jure, j'ai tout essayé. Et la petite Jill? Ils l'ont poursuivie et puis elle s'est plantée en voiture sur la route de Crystal Lake. C'était un accident. Alors vous l'avez mise dans le lac pour qu'on ne la retrouve pas? Hein? Et qu'on ne fasse pas la relation avec Wendy. Non, c'était pas moi, c'était eux. Qui ça, eux? Allez, parle! Qui était là? Non, je ne dirai rien, sinon ils me tueront. Mais ils le feront, de toute façon! Non, tu ne diras rien de moi, je me casse. Bon, calme-toi. Je vais te mettre en lieu sûr. C'est tout ce que tu as? Juste ça? Non, j'ai plus, j'ai une autre bande et mes notes. Tu mens. Mais quelle différence ça fait? Je n'avais besoin de rien d'autre. Tout le monde sait que Hodge, Fitzmaureau sont dans le coup. Et tu as fait ton article à partir de ces trois phrases sur une bande? Non, tout est arrivé, on le sait bien. Et d'où tu tiens que tout le commissariat était de mèche, et notamment Beth? Et ils couvrent leurs policiers. Qui t'a dit ça? Ça a été confirmé par quelqu'un? Walters n'a rien nié. Il n'a rien nié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a rien nié. Tu as affirmé qu'il avait dit tout ce que tu as écrit. Tu sais ce que tu as fait. Tu as accusé par écrit tous les flics de la ville. Tu as foutu en l'air la réputation de ce putain de journal, comme tu dis toujours. Tu as inventé. Je n'ai rien inventé. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Mais j'ai fait comme toi. Tu m'as dit que tu avais enfreint les règles et que tu as eu le Pulitzer. Mais c'est ce que je voulais. On est pareils tous les deux, on est de la même trempe. Non. Rien de trempe. Vous êtes différent. Vous n'avez qu'une chose en commun, c'est la veste. Monsieur, l'inspecteur Walters a téléphoné. Il ne va pas tarder. Très bien.
La presse vous attend dans la grande salle. Merci. Nous arrivons au moment difficile, n'est-ce pas? Expliquez aux journalistes, donc au public, que mes policiers sont des hommes normaux. Avec leur faiblesse humaine. Je viens avec toi si tu veux. C'est notre faute. Non, Gérald. C'est à nous de nous justifier. Tu ne fais que ton travail. Ouais. Si on veut. Je connais cet homme depuis 20 ans. Je ne l'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. J'ai débuté avec lui. Et je croyais en lui. Ah, je ne subis pas le même choc. Scott faisait partie de mon équipe et je lui faisais confiance. J'ai essayé de lui expliquer. Non, on ne peut enseigner ni l'honneur, ni surtout l'intégrité. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, lui? On l'a fait arrêter, mais c'est tout ce qu'on a pu faire. Il est sorti tout de suite? Il a fait un scandale, ça nous est revenu très cher. Gérald, on n'a plus le droit de se tromper. Il faut avoir toujours raison. Et le public compte là-dessus. On va essayer. Nouvelles toutes fraîches. Bien que vérifiée en ce qui concerne l'essentiel, l'accusation manquait de preuves. C'est l'œuvre de Garnet. Ouais, Garnet et trois avocats. Ouais, c'est déjà ça. Vous n'avez jamais vu en première page une lettre d'excuse? Encore un jour à marquer d'une pierre blanche pour le journalisme. Ça vous prouve une fois de plus qu'il faut toujours être sûr de soi. Qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vous avez retenu quelque chose? Grâce à toi. N'oubliez jamais. Promis. Et pour toi? J'ai aussi appris quelque chose. On apprend toujours. Hey, Remson. Jusqu'à ce soir.